Bon, j'espère que la coiffure t'a plu, la petite inspiration. Alors déjà, j'ai oublié de te montrer l'une des deux bagues que j'avais choisies, c'était celle-ci. Et ce que je voulais te dire, c'est que le truc m'est venu comme ça en fait. C'est-à-dire que ce genre de coiffure-là, on la voit souvent pour les personnes qui ont les cheveux de type afro. N'hésite pas, quand tu vois une coiffure qui te plaît, à la faire toi aussi, même si tu as les cheveux défrisés, et tu verras que ça donne un autre style, mais ça donne un style. C'est tout ce que je voulais dire. Autre chose, les produits que j'ai montrés pour hydrater mes cheveux, je t'ai montré deux, c'est pour te dire que je n'utilise que ces deux produits-là, d'accord? L'un, c'est ma chantilly que je fais maison. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, n'hésite pas dans la barre d'informations, dans la barre de recherche de Google, de taper chantilly maison Sandra Cerise, tu vas tomber sur la vidéo, ok? Et l'autre, c'est un baume capillaire de chez Yves Rocher qui nourrit les cheveux. Tu peux le mettre aussi bien la nuit que la journée, aussi bien sur les cheveux humides que sur les cheveux secs. Et en fait, généralement, je l'utilise le soir avant de me coiffer. Et quand je me lève le lendemain, mes cheveux sont doux, lisses, disciplinés et tout. Là, je ne me suis pas coiffée hier, c'est pour ça que ma tête était dans cet état-là. Et du coup, quand je le mets le matin, ça aide à bien plaquer mes cheveux alors que je n'utilise pas de gel, pas de age, rien du tout. Comme tu as pu le voir, juste ça. Voilà, c'est tout. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à la prochaine vidéo.